Mais est-ce que c'est propre, le parterre, est-ce que c'est propre, Paris? Paris? Propre? Non, pas propre. Pas propre? Non, pas propre. Tout ça, la même, voilà. Pas propre, monsieur. Et pourquoi? Pourquoi c'est pas propre? Je sais pas. Ça, quelqu'un, ça... Après, il jette. Oui, c'est pas bon, c'est pas normal. Normalement, ça, il y en a... Il y a des poubelles. Ah. Regarde. Arrête là, pendant qu'on parle là. Regarde. Ça, c'est pas propre, camarade. Ah oui, regarde là. Alors ça, c'est un autre truc de Paris, c'est les travaux qui s'éternisent. Franchement, ces travaux-là, à Barbès, ils sont là depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un truc de fou. Putain, et là-bas, les poubelles entreposées. Putain, c'est littéralement tous les 10 mètres, quoi. Regarde. C'est quoi ça? Ah ouais, tunnel d'eau. C'est quoi ça? Bah oui, c'est ça le truc. C'est ça le problème. Tout Paris. Bah ouais, dites-moi. Elle nettoie où, cette mer, là? Le 7e, elle le nettoie bien. Hein. Mais regardez tout ça, regarde. Elle s'en fout. Qui c'est qui l'a élu maire, elle? Non, franchement, qui c'est qui l'a élu maire? C'est une bonne question. C'est vraiment des abrutis, hein. C'est pas possible. Et elle a voulu se présenter aux... Elle arrive pas à nettoyer une ville et elle veut présider la France. Mais elle est folle. Regarde la poubelle qui déborde. C'est tous les combien qui vident les poubelles? J'aimerais bien savoir. Putain, je te jure. Hein. Encore un tas de détritus là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi les trucs sont entassés comme ça? Et pourquoi personne ne fait rien? Il y a un lit. Tu veux un lit, Charles? En fait, les mecs ont fait des travaux, ils ont tout mis là, quoi. Est-ce que Paris est une ville propre, selon vous? Pas du tout. Attendez, je retire ma casquette. Mais pas du tout. Enfin, ici, le 18e, c'est l'enfer. Ouais. Ouais, j'aimerais beaucoup que les gens, les municipalités fassent quelque chose. Est-ce que Paris est une ville propre, selon vous? Ici, c'est Paris? Ouais. C'est Bamako, non? Bonne journée. Bonne journée.